Retour sur l'événement qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, le lancement des Restos sur le Pouce. Ce lundi 25 janvier, Jean-Claude Guibal, le maire de Menton et président de la communauté de la Riviera française, était accompagné de Sandra Père, sa première adjointe, Nicolas Zappia, conseillère municipale chargée de l'action commerciale, et de Baptiste Sassy, responsable du service de l'occupation du domaine public. Ils ont inauguré les Restos sur le Pouce aux côtés d'une quinzaine de restaurateurs locaux. Après quelques minutes de présentation, Monsieur Jean-Claude Guibal a donc pris la parole au micro de Radio Topside. Nous sommes heureux de vous voir actif, réactif, inventif et solidaire. Cette belle initiative démontre que vous ne baissez pas les bras face à l'adversité tout en respectant les procédures sanitaires. Votre opération a pour but de fédérer l'ensemble des professionnels de notre territoire, sachant que cette démarche d'entraide va au-delà de la concurrence loyale, puisqu'il s'agit notamment de se partager la clientèle. C'est ce qu'a déclaré Monsieur Jean-Claude Guibal, le maire de Menton, je cite, après avoir salué les commerçants partenaires. Cette opération est donc organisée du 25 janvier au 28 février par l'association mentonnaise Nos Restos de Menton à la Roya, le même combat, en partenariat avec la ville de Menton. Les Restos sur le Pouce proposent de la vente à emporter et de la livraison à domicile. Pour ce faire, la ville de Menton a mis à leur disposition une quinzaine de chalets sur l'esplanade Francis Palmero, ainsi que le réseau d'eau, d'électricité nécessaire au bon fonctionnement des cuisines, sans oublier la prise en charge de la communication sur cet événement. L'objectif est d'accueillir plusieurs restaurateurs grâce à des rotations et de faire découvrir différentes cuisines locales, françaises, russes, marocaines, arméniennes ou encore libanaises, préparées dans les chalets ou dans les cuisine des établissements. Créé pour l'avenir de la profession, l'événement Resto sur le Pouce est également un projet solidaire puisque 10% des bénéfices seront reversés aux restaurateurs de la vallée de la Roya. Resto sur le Pouce, un événement à ne pas rater sur l'esplanade Francis Palmero, 7 jours sur 7 de 11h à 17h. Ils vous attendent du 25 janvier au 28 février. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique.